Vous avez l'air en pleine forme aujourd'hui. Exactement, je me suis régalée à midi, j'ai mangé une bonne salade avec du poisson. C'est vrai que c'est bon ça, la salade avec le poisson. Bon allez, veuillez m'excuser, j'ai du travail à la maison. Au revoir Madame 2. Au revoir Madame 1. Bonjour Madame 2, comment allez-vous? Très bien, merci. Dites-moi, ce n'était pas Madame 1 là? Si, si, justement. Elle vient de me dire qu'elle avait mangé une bonne salade avec du bon poisson. Ah bon? Comme c'est curieux. Bon, je dois y aller. Je dois passer à la boulangerie. Au revoir, mademoiselle 4. Au revoir, madame. Bonjour, mademoiselle 3. Bonjour, mon amie. Dites-moi, vous connaissez la nouvelle? Quelle nouvelle? Dans la salade de madame 1, il y avait du poison. Non, pas possible! Et que si, c'est madame 2 qui vient de me le dire. Bon, je dois aller chercher mes petits frères. Au revoir, madame 4. Ah bah ça alors! Ah, je suis contente de vous rencontrer, madame 4. Et moi donc, monsieur, madame 5. Figurez-vous que madame 1 s'est empoisonnée avec une salade. Empoisonnée? Oh là là, quelle catastrophe! Vous gardez ça pour vous, madame 5, n'est-ce pas? Bien sûr, madame 4, je vous le promets. Alors, à bientôt. Eh, bonjour, Jean-Marie. Dites, vous saviez, vous, que madame 1 s'était empoisonnée? Ben non, vous me l'apprenez. Et il paraît même qu'elle est bien malade. Pauvre madame 1, elle n'a vraiment pas de chance, vous savez. Oui, c'est bien triste. Je vais prévenir discrètement monsieur le curé. On ne sait jamais. Allez, au revoir Jean-Marie. Au revoir madame 5. Eh, bonjour Jean-Marie, quoi de neuf sous le soleil? Oh, rien de gai madame 7. Il paraît que madame 1 est très très malade. Elle a été empoisonnée. Mon Dieu, est-ce possible? Puisque je vous le dis, mais surtout ne le répétez pas! À personne, motus et bouche cousue. Au revoir Jean-Marie. Au revoir mademoiselle 7. Oh, c'est vous mademoiselle 7? Oui, c'est bien moi. Venez vite, j'ai une bien mauvaise nouvelle. Allons bon, laquelle? Madame 1 risque de mourir, elle a été empoisonnée. Comment le savez-vous? C'est Jean-Marie. Et surtout ne répétez à personne. Comptez sur moi madame 7. Personne? Personne, discrétion assurée. Mais il faudrait peut-être prévenir monsieur le maire. Oui, bonne idée. Ne bougez pas, j'y vais. Qu'est-ce que vous avez, monsieur 8? Vous m'avez l'air tout drôle. Ben forcément. Dites-moi, madame 9, je peux vous confier un secret? Pour sûr, madame 8, vous savez, je sais tenir ma langue. Eh bien, madame 1 va mourir, empoisonnée. Voilà. Non, mais qui vous l'a dit? C'est mademoiselle 7. Mais comment ça se fait? Ben, c'est son mari, pardi. Monsieur 7? Lui-même. Ah bah c'est pour le coup. Bon, moi, je vais téléphoner à mon beau-frère. Il doit en savoir davantage, et les journalistes. Approchez, approchez, madame 10. Vous êtes quelqu'un de confiance, vous. Assurément, pourquoi? Vous n'allez pas me croire. Madame 1 a été empoisonnée par monsieur 7. Quoi? C'est monsieur 8 qui vous l'a dit? Oui, elle vient juste de me quitter. Mais surtout, n'en parlez à personne. Oh, soyez sans crainte. Je resterai muette comme une carte. Tiens donc, madame 10, vous en faites une drôle de tête. Ben, c'est que... ne le répétez pas, mais... Monsieur 1 a empoisonné madame... Monsieur 7 a empoisonné madame 1, alors... Non. Si. Pourquoi donc l'a-t-il empoisonné? Je n'en sais rien. Je vais demander au coiffeur, lui doit le savoir. Oui, oui, bonne idée. Mais vous, au moins, n'en parlez à personne. Je vous en prie, madame 10, ce n'est pas mon genre, voyons. Madame 11, comment allez-vous? Mal, mon ami, mal. Approchez. Monsieur 7 a tué madame 1. Semble. Et on l'a arrêté? Je l'ignore. Plante-tu le gendarme? Saura me le dire. J'y vais, mais... Chut. Je ne vous ai rien dit. Mais je n'ai rien entendu. Promis. Qu'est-ce qui se passe, madame 12? Monsieur 7 a assassiné madame 1. C'est sûr, il va aller en prison. Quoi? C'est incroyable. Pourtant, c'est la vérité. Si j'ai de nouveau, je vous appelle. En attendant, silence sur toute la nuit. Ne craignez rien, je ne me mêle jamais des affaires des autres. Tiens,
Pardon, 7e, madame 13. Madame 14, alors là, vous tombez bien. Ah oui, pourquoi? Monsieur 7 est en prison. Il a assassiné madame 1. Ah bon? Vous en êtes sûre? Certaine, madame 14. Oh là là, quelle histoire! Entre nous, je le trouvais bizarre cet an dernier, monsieur 7. Ah oui? Vous aussi? Il avait un drôle de regard. Oui, et même une drôle d'odeur. Il doit boire, cet homme-là. Ou bien alors il se drogue, qui sait? Ou même les deux, peut-être. Ça, c'est bien possible. Mais enfin, de là à devenir assassin, tout de même. Ah bah ça alors, regardez, c'est bien monsieur 7 là-bas? Et oui, c'est lui. Oh là là, il s'est échappé de prison. Bonjour mesdames, alors on se promène? Ne répondez pas, cet homme est dangereux. C'est un ivrogne et un drogué. Un assassin, oui, filon. Et en plus, un prisonnier en cavale. Le temps est vraiment superbe aujourd'hui. Mon Dieu, quelle horreur! Fillon! C'est ça, Fillon! Au secours, l'assassin s'est échappé, au secours! Eh ben ça alors! On dirait qu'elles ont eu peur, ces pipelettes. Ah, je vous jure, ces bonnes femmes. Entre nous, vous voulez un conseil? Faites comme moi. Allez donc à la pêche quand elles vous empoisonnent. Allez, salut la compagnie! La rumeur.